Bonjour, bonsoir, bon après-midi, shalom, frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Temps des prières agressives avec le pasteur Kalala. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse richement. À la présentation de cette émission, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité des Actes des Apôtres, le pasteur Kalala, serviteur du Dieu très haut. Encore une fois, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. On est là pour pratiquement une heure et demie ou deux heures dans la présence du Seigneur. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Encore une fois, plus 1-331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Nous évoluons toujours avec notre programme de temps de prière agressive. Et nous saluons tous les fils de Dieu ainsi que toutes les filles de Dieu fidèles, téléspectateurs ou auditeurs de cette émission. Vous êtes les braves soldats de l'armée de l'Éternel. Sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir déjà, vous qui êtes en ligne, de partager. Donc, multipliez les partages, faites une large diffusion de ce live. Je vous prie de partager. Et de faire une large diffusion de ce live. Et que ce Dieu-là vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Soyez donc bénis. Soyez bénis les papas, soyez bénis les mamans, soyez bénis les frères et sœurs, soyez bénis les bien-aimés. Recevez toute la bénédiction. Et je vous prie de multiplier donc le partage. Partagez. Merci à vous tous qui le faites. Partagez massivement. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Partage sur ton journal, partage dans différents groupes auxquels tu es abonné. Permets à quelqu'un de se connecter. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Partagez sur le journal, partagez dans des groupes et permettez à quelqu'un d'être connecté en partageant sur Messenger, également en lui envoyant par téléphone direct et voire même sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, vous qui le faites. Alors, sous cette belle mélodie, j'aimerais que vous puissiez prendre une à deux minutes de partage et après on va commencer par la prière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Allez, partageons encore une minute, de partage et après quoi?
Sans plus tarder, nous allons maintenant élever nos voix pour dire à Dieu merci. On lui dira merci pour le souffle de vie. On lui dit merci pour l'être, le mouvement et la respiration. On lui dit merci d'éveiller sur nos corps, nos âmes et nos esprits. On lui dit merci de nous protéger et de nous préserver du malin. Élève ta voix, glorifie le roi des rois, glorifie le seigneur des seigneurs, glorifie l'étoile brillante du matin, glorifie le rejeton de David, glorifie l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu dis à Dieu merci pour sa bonté, tu lui dis merci pour son amour. Prions tous ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, nous voici devant ton trône de gloire. Nous voulons te célébrer, te magnifier. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'exalter, Shiloh d'Israël. Béni sois-tu pour ce temps précieux. Merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu permets qu'on se présente devant ton trône pour te célébrer, te magnifier. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. Béni sois-tu pour ces moments. Merci pour ce temps favorable. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Père, merci les rois des rois, merci l'agneau de Dieu, merci l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Papa, maman, je te prie de bien vouloir demander maintenant à Dieu de te purifier, de te laver, de te blanchir. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur, tandis que celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Tu vas demander à Dieu de te purifier encore par son sang. Prions au nom du Seigneur. Jésus-Christ, nous te demandons de purifier nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos esprits. En ce net moment, je te prie de laver la robe de mon frère et de ma sœur. La Bible déclare, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur, tandis que celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous purifier, de nous justifier. Merci de nous laver, merci de laver nos mains sales, merci de purifier nos pensées souillées. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Yahweh, merci le roi des rois, merci l'agneau immolé de Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame l'agneau immolé de Dieu, les rejetons de David. Oui, bien-aimés, nous allons inviter le Saint-Esprit en lui disant, Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, prends la direction de nos âmes, prends la direction de ses services. Que ce moment de prière soit un temps au cours duquel le Saint-Esprit nous parlera, le Saint-Esprit nous conduira, le Saint-Esprit nous guidera, il nous enseignera toutes choses. Élevons nos voix, prions, désirons la plénitude du Saint-Esprit. Prie ma sœur, prie mon frère, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, nous voici devant toi, te demandant encore d'inonder nos âmes, inonder nos esprits, nos cœurs et notre être. Saint-Esprit, prends la direction de ce moment, prends la direction de ces temps favorables. Nous avons besoin de toi, esprit de sagesse, esprit de sainteté, esprit de vie. Réveille-nous de ta gloire ainsi que de ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire, louange et honneur à toi Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager en ce net moment. Que Dieu vous arrose. Nous allons bientôt commencer avec notre exhortation. Et je salue tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique. Vous êtes en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous êtes à Libreville, vous êtes à Port-Gentil, vous êtes à Kinshasa-Labelle, au Congo démocratique, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes où encore? En Kayi, à Dolisi, c'est au Congo Brazzaville, vous êtes à Douala, au Cameroun, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Bobo-Dioulasso, Diasso, vous êtes où là-bas? C'est en Côte d'Ivoire déjà. Allez, je salue ceux qui nous suivent depuis Burkina Faso.
plus précisément à Ouagadougou. Que Dieu vous bénisse. Et je salue mes frères qui nous suivent souvent depuis l'Ouganda. Que le Dieu puissant vous bénisse. Vous êtes à Kampala. Soyez bénis. Vous qui nous appelez depuis la Belgique, nous vous saluons. Vous êtes nombreux à nous suivre là-bas. Nous bénissons ceux qui nous suivent depuis la France. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous qui allez nous suivre en différé, tout comme en direct, vous tous qui allez nous rejoindre, recevez aussi mes chaleureuses salutations. Maintenant, j'insiste encore sur vous qui êtes là, connectés, branchés, de multiplier les partages, et de faire de sorte que nous soyons, n'est-ce pas, connectés aux autres. Donc, multipliez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, mon frère et ma soeur, nous sommes là. Notre sous-thème, vous l'avez vu déjà, il est très, très édifiant. C'est lequel, pourquoi ne pas participer ou prendre part à la réunion de prise des décisions? Un sous-thème très important. Merci Seigneur, On règle un petit problème. Ici technique et puis on vous revient. Merci. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Participons à la réunion de prise de décision nous concernant. Ah oui, c'est très important, mes amis. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs fois, ici, je vous ai toujours dit que la vie que nous menons dans ce monde des humains, sur cette terre, c'est-à-dire le monde des humains, ce n'est que le reflet de la vie dans le spirituel. Le spirituel qui est un monde presque virtuel, pour ne pas dire virtuel. On ne peut pas palper de nos mains, mais c'est un monde qui existe. Vous pouvez le croire, mais acceptez-le comme ça. Merci. Ok, que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. Donc, je disais ceci. Le monde spirituel, qui est un monde pratiquement virtuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas palper de nos mains, mais cependant qui existe. Et je vous ai toujours dit que tout ce qui existe sur cette terre, tu n'es pas obligé nécessairement de le toucher ou de le palper de tes mains. Ça dit que pour que tu croyes ou que nous croyons que quelque chose existe, il ne suffit pas que nous soyons à mesure de la toucher ou bien de la palper de nos mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement dit, il y a des choses qui existent dans ce monde que nous ne pouvons pas toucher, mais ça existe. Il y a des choses qui existent dans ce monde qu'on ne peut pas palper, mais ça existe.
il y a des choses qui existent dans ce monde qu'on ne peut pas démontrer physiquement, mais ça existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, mon frère et ma sœur, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez 5 sur 5? Si vous me captez 5 sur 5, veuillez me faire signe. Merci, merci, merci à vous tous qui êtes branchés, scotchés. Et je pense que vous me suivez 5 sur 5. Est-ce que le son est impeccable? Rassurez-moi que vous me captez 5 sur 5. Gloire à Jésus. Ok, merci beaucoup. Merci de me les rassurer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, je disais ceci. Il n'est pas dit que ce qui existe, c'est seulement ce qu'on peut palper de nos mains. Il n'est pas dit que ce qui existe, c'est seulement ce qu'on peut démontrer en le palpant ou en le touchant de nos mains. Mais il y a beaucoup de choses qui existent dans ce monde qu'on ne sait pas toucher de nos mains, qu'on ne sait pas palper et qu'on ne sait pas démontrer ou prouver. Mais cela ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Merci, que Dieu te bénisse. Vous autres, vous nous rejoignez, n'hésitez pas de partager sur WhatsApp, de partager dans les groupes Facebook auxquels vous êtes abonnés, mais aussi d'inviter vos frères et sœurs à nous rejoindre. Donc, mon frère bien-aimé, des choses qui existent dans ce monde, des actions et des événements qui se déroulent, c'est la conséquence de ce qui a été arrêté ou décidé quelque part dans un autre monde que nous appelons par le monde des esprits. C'est dans ce monde des esprits qu'un être suprême que nous appelons l'Éternel des armées a eu à prononcer quelques paroles en disant « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Il a parlé dans le spirituel. Il a donné des ordres. Et dans le physique, on a vu la matérialisation ou l'exécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvrons nos Bibles dans les livres de Job, chapitre 1. Vous allez lire aussi tout le chapitre 2. Faute de temps, vous allez lire à la maison. Nous voyons une réunion convoquée dans le monde des esprits. Papa, maman, pendant que je parle là, pendant que j'exhorte, j'aimerais que tu partages aussi. Pendant que j'exhorte, toi aussi, mets-toi à partager. Pendant que j'exhorte, tu es en train de partager petit à petit, mollo, mollo, dans les différents groupes auxquels tu es abonné. Et de temps à autre, tu réagis pour me rassurer qu'il n'y a pas de souci de son, il n'y a pas de souci d'image. Donc, mon frère et ma sœur, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, Dieu convoque une réunion dans le monde des esprits. La réunion est donc convoquée par Dieu. Il dit quoi? Il rassemble des anges, les anges qui sont des esprits. Je ne sais pas pourquoi il les a rassemblés. Et curieusement, il y a également un autre esprit qu'on appelait Lucifer, qui fut aussi un archange, un ange déchu. Il vient se présenter à la réunion. Et c'est là où les décisions sont prises, c'est-à-dire dans le monde des esprits. C'est alors que Dieu, l'être suprême, va poser la question à Satan, qui est venu le surprendre en pleine réunion ou organisation de la réunion. Il lui dit, d'où viens-tu? Et Satan va répondre en disant, je viens de parcourir la terre. Autrement dit,
nauti ko tambola na mokili to na mabele. La terre, c'est là où toi et moi nous vivons. Il dit ok, merci pour cette information. Mais là-bas, sur cette terre, dans ce monde-là, est-ce que tu as observé mon serviteur Job? À travers cette question de l'Éternel Dieu, nous pouvons déjà comprendre que cette réunion-là ne se déroulait pas sur la terre, mais dans un monde spirituel. Parce que c'était un dialogue entre les spirituels et les spirituels. Et Satan de répondre maintenant. Qu'est-ce que Satan répond? Il dit, oui, je l'ai observé. Je le connais très bien d'ailleurs. Mais ne te tape pas la poitrine à cause de lui. S'il te craint comme ça, c'est parce que tu lui as fait tellement du bien. Tu l'as gardé en bonne santé. Tu as béni ses enfants. Il a une famille nombreuse et stable. 10 gosses, bien battus, très intelligents. Non seulement il a des enfants et la femme, mais aussi parce que tu l'as rendu au large. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndekonanga yokanga bien. Ici, dans le monde des esprits, un entretien se tient, mais on parle des choses qui se déroulent sur cette terre. On parle de la vie des gens qui vivent dans le monde physique, comme toi et moi. Et Satan fait mention des richesses de Job. Donc, dans le monde des esprits, il y a Masolo, il y a Nini, il y a Job, Nakati. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, mon frère et ma sœur, dans le monde des esprits, Satan fait mention des richesses de Job. Il parle des activités commerciales. Il parle des affaires et des fermes. Il parle de beaucoup de choses, de biens matériels. Et il parle de la famille. Il parle de la santé. Il parle de l'abondance. Mais Bazoubé Tamasolo Wapi, dans le monde des esprits. Ah, bien-aimé, suivez-moi attentivement. La Bible dit ceci. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui sera demain. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Si dans le monde des esprits, hier, on a eu à parler ou à traiter des affaires de Job, Bozunaye, Santenaye, Moisinena Bananaye, ses enfants, ses biens, ses richesses. C'est qu'aujourd'hui, pendant que je te parlais là, il y a également un monde des esprits où on parle de nos vies. On parle également de nos activités. On parle de nos ministères. On parle de nos relations amoureuses. On parle de nos familles. On parle de nos commerces. On parle des documents qu'on doit avoir pour avoir la carte de résident, la carte d'exilé politique, la carte de réfugié, avoir quoi encore, la nationalité. Donc dans le monde des esprits, ils parlent aussi du travail, ils parlent des études de tes enfants, ils peuvent parler du commerce de ton mari ou de ta femme, voyez-vous, ils parlent du ministère de votre église. Lisez cela dans Job chapitre 1er. Et la Bible dit, il y a eu débat, échange, etc. Et puis il y aura une conclusion. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis attentivement. Je déclare encore que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après cette décision, après débat et délibération, qu'est-ce qui sera décidé? Après débat et délibération,
il sera décidé ceci. Premièrement, que les activités de Job soient détruites. Que Satan ait la main mise sur le travail. Quand je parle d'activité, là, c'est-à-dire le travail. Misalanayama beaucoup. C'est comme toi là qui vends. C'est comme toi qui fais des navettes. Tu vas en Chine, tu vas, je ne sais où, acheter la marchandise et revendre. Les activités de Job devraient être paralysées. Là, c'est une décision prise dans le monde des esprits. La Bible dit au verset 2, chapitre 2. Toujours au chapitre 1er, vers le verset 15-16 là-bas. La Bible nous parle de Job qui est maintenant dans le monde physique comme toi et moi. Il vaque normalement ses activités. Il mange, il boit. Il danse. Il accompagne ses enfants à l'école. Mais la Bible déclare, mon frère, pendant que Job est en train de mener sa vie normalement, et qu'une décision avait déjà été arrêtée dans le monde des esprits, Job ne s'est douté de rien. Jusqu'à ce que le matin, aux environs peut-être des 10-11 heures, la première nouvelle lui arrive. L'un de ses serviteurs vient en vitesse, mes amis. En vitesse. Qu'est-ce que ce serviteur vient dire à Job? Patron, il y a accident là-bas. On a été visité par des braqueurs aujourd'hui. La situation n'est pas bonne. Elle est catastrophique. La sentinelle Roger, le vieux Roger, il n'est plus. On lui a coupé la tête. Quoi ça? Comment? Par qui? Boss, je ne sais pas. On a vu un groupe de jeunes gens avec des machettes qui sont rentrés avec des cagoules. Ils ont commencé par menacer, crier, et puis ils ont suivi la sentinelle. Ils lui ont arraché la tête. Oh! Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés dans des fermes, ils ont récupéré tous les animaux, les bêtes, tout ça. Les ont amenés, destination inconnue. Ça ne s'est pas arrêté là, ils ont mis le feu. Tous les champs ont pris feu. Du moins, du côté de la première ferme, là-bas, vers l'entrée de la ferme, tout est paralysé, tout est consumé. Là, c'est la déclaration du travailleur. Là, c'est l'une des sentinelles qui vient. Il dit, moi j'ai échappé à cela et je suis venu pour te tenir informé. C'est-à-dire quoi? Job rentre dans une zone de turbulence. Vie est comme mon boulot. Vie est comme nani Job Mingai. La vie qui était normale, directement, ça change de dimension. Pourquoi ce changement? Parce que, quelque part, une décision a été prise dans le monde des esprits. Je ne sais pas, pendant que je sois en train de te parler, mon frère, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Ce que tu es en train de passer comme situation, je ne sais pas si c'est également une des conséquences d'une décision qui avait été prise dans le monde des esprits. Là, je ne sais pas. Il n'y a que toi et Dieu qui puissent les connaître. Mais moi, je ne fais que vous montrer ce qui a existé hier avec les gens qui ont vécu avant nous dans la Bible. À l'occurrence, Job. Donne-moi un amen très bien, que j'avance.
encore fois, encore une fois, amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Que je continue. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Ça, c'est ce qui arriva à ce jeune homme, à la personne de Job. Il rentre dans une nouvelle zone. Il rentre dans une nouvelle dimension de vie. Il rentre dans de nouveaux événements. Des choses commencent à devenir compliquées dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, une décision a été prise. C'est pourquoi j'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu élèves ta voix pour me dire, pasteur, moi, je prendrai part là-bas, à la réunion des prises de décision. Pourquoi Job est-il en train de subir? C'est parce que lorsque la décision dans le monde des esprits était en train d'être arrêtée, lui était absent. Ah, j'entends quelqu'un dire, je ne serai pas absent lors de la prise des décisions quelque part dans le monde des esprits. Que quelqu'un me dise, je ne serai plus absent. Ah, que Dieu te bénisse. Encore une fois, je ne serai plus absent. Je ne serai plus absent. Il faut comprendre, mes amis. Il faut comprendre, mon frère. Il faut comprendre, ma soeur, comment est-ce que les événements se déroulent. Les choses se passent dans ce monde. Il faut comprendre comment est-ce que les événements se déroulent dans ce monde des humains. Tout ce que les gens sont en train de vivre du jour au lendemain, ça tire une origine, ça a son origine quelque part. Dans le monde des esprits. Que ce soit ceux qui vivent le bonheur, que ce soit ceux qui traversent les malheurs, que ce soit ceux qui vivent dans l'abondance, que ce soit ceux qui vivent dans la disette, que ce soit ceux qui vivent des situations difficiles, que ce soit ceux qui vivent dans la gloire, bien aimé, c'est la résultante de ce qui a été décidé quelque part dans le spirituel. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Éternel des armées, aide-moi, Seigneur, à ne plus être absent lorsque les grandes décisions seront prises à mon intention. Lorsqu'il y aura prise de décisions dans le monde des esprits concernant ma vie, concernant ma famille, concernant ma santé, concernant ma destinée, concernant mon séjour sur cette terre, concernant mes affaires. Père, aide-moi à ne pas être absent. Que Dieu te bénisse, toi qui le déclare de ta bouche. Que Dieu te bénisse, toi qui le confesse de ta langue. Que Dieu te bénisse, toi également qui écris. Nous sommes des petits frères de Jésus. Jésus pouvait dire, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Sois béni, toi qui écris cela. Ah voilà, une maman me dit, jamais absent, jamais absente. Que Dieu te bénisse richement pour cette confession de foi. J'aimerais dire comme cette maman, jamais absente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, agrée-moi dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à être toujours disponible. Que je ne sois plus jamais absent lorsque les grandes décisions, lorsque les dossiers seront traités sur moi, lorsqu'on parlera de moi dans le monde des esprits, que je ne sois pas absent. Élève ta voix et commence à prier pour dire à Dieu, Éternel des armées, aide-moi à ne pas être absent lors de la prise de décision me concernant. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous nous rapprochons de ton trône. La prière élevée de mon cœur, Seigneur, que tu m'aides à ne pas être absent chaque fois qu'il y aura prise de décision dans le monde des esprits. Aide ma sœur et mon frère, ici présent,
à ne pas être absent lors de la prise des décisions dans le monde spirituel. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, fortifie ta fille ainsi que ton fils qui prend part à cette réunion à ne jamais s'absenter. Au nom puissant de Jésus, chaque fois qu'il y aura des réunions dans le spirituel, chaque fois qu'il y aura des décisions à prendre concernant nos vies, Seigneur, aide-nous et fais-nous participer à ces réunions-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, aide ta fille qui prie de tout cœur. Aide ce fils qui prie de tout cœur à ne plus jamais s'absenter lors de la prise des grandes décisions concernant sa famille, lors de la prise des grandes décisions concernant son travail, lorsque les grandes décisions seront prises concernant sa santé, lorsque les grandes décisions seront arrêtées dans le spirituel concernant ses affaires. Papa, je te prie de lui faire participer. Merci Seigneur de nous inviter aussi en tant que des hommes et des femmes spirituels, en tant que des hommes et des femmes esprits. Seigneur, nous participerons. Merci de nous faire ce privilège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Et qu'il te bénisse richement. Je vous bénis au nom précieux de Jésus. Je vous bénis au nom précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez-moi. Après la décision prise, les conséquences ont commencé. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez dans ce monde physique. Les pays du tiers-monde, les pays faibles, les pays sans puissance, ce sont des pays qui subissent des résolutions arrêtées par des grandes puissances de ce monde. Ils ne font que subir. On décide à l'Occident et dans nos pays du tiers-monde, on exécute. Il y a la maladie, la pandémie qui est dans le monde. C'est ici qu'on donne les rythmes. Allez, portez les masques, tout le monde va porter les masques. Allez, maintenant c'est le vaccin, tout le monde va être vacciné. Allez, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce n'est plus la dictature, c'est la démocratie. Allez, nous sommes tous à laquelle elle est, au rythme de la démocratie. Mes frères et sœurs, des grandes décisions sont prises entre les puissances, les hommes forts. Et l'exécution, c'est chez les petits peuples. Tel que ça se passe dans le monde physique, c'est comme ça que ça s'arrête aussi dans le monde des esprits. Donc Job était considéré comme une personne faible. Là où on est en train de décider sur son sort, là où on est en train de prendre des décisions importantes sur sa vie, malheureusement, il est le plus grand absent. Ah, que jamais pareille histoire ou pareil événement n'est arrivé, mon frère. Et c'est pratiquement ce que Satan a récupéré. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans le monde des esprits aujourd'hui. Je viens t'informer, mon frère, que là où les tantes, les oncles, les frères, les grands frères, les grands-parents, sorciers, occultistes de la famille se réunissent pour décider sur ta mort, pour décider sur ta souffrance, pour décider sur tes échecs, bien aimé, toi tu es le plus grand absent. Mais malheureusement et curieusement, la personne qui va vivre l'exécution, c'est pas la sorcière ou l'occultiste, mais c'est toi la victime. Mais la Bible dit ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Côté bazozo ba décision ya vinayo, yo zalraten. Côté
te baso so ba décision ya ngoma Job. Job azate. Mais c'est Job qui vit, qui subit. Ah, que quelqu'un dise, je refuse d'être faible, papa. Je refuse d'être faible. Les faibles, on les écrase. Les faibles, on les piétine. Les faibles ne font que subir. Les faibles vivent l'exécution et des décisions arrêtées par les hommes forts. Ah, même la Bible va plus loin en disant, la sagesse des pauvres est méprisée. Tu peux être fort, tu peux être intelligent, voudrais-je dire. Tu peux avoir des atouts, mais quand tu n'as pas de moyens, tu n'es pas fort, tu n'es pas forte. On minimise ta sagesse. Ah, je vous parle la vérité. Je vous parle des choses vraies. J'aimerais que tu pries d'abord, avant que je ne continue. Que tu dises à l'Éternel, Seigneur, je refuse de demeurer faible. Change-moi de côté, papa. Na longo kota butuba faible. Na longo kota ba lembele. Na kende na kwa mtoma kasi. Fais de moi une femme forte dans ma famille. Fais de moi l'homme fort dans ma famille. Fais de moi un homme fort dans mon secteur. Fais de moi une femme forte dans le domaine qui est le mien. Seigneur, natikalate minable. Fais de moi, Seigneur, l'homme fort. C'est pourquoi Jésus-Christ est connaissant ces choses. Quand il vient dans ce monde, il dit, je suis venu pour que les faibles disent, je suis fort. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures faible. Si tu l'as été hier, aujourd'hui tu ne dois plus l'être. Demain tu ne dois plus continuer à l'être. Bien-aimé, quand tu es faible, on ne t'écoute pas. Quand tu es faible, on minimise tout ce que tu dis, même quand tu dis des choses vraies. Souvenez-vous de Joseph. Il était faible de son état, petit. Pendant qu'il était petit. Pendant qu'il était petit, Joseph, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté les songes qui étaient un message authentique venant de Dieu. Mais la Bible dit ses frères, comme ils étaient forts que lui, ils ont jeté les rêves dans la poubelle. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils l'ont vendu. Ils se sont en fous de quoi? Du rêve ou du songe. Mais c'est le même rêve, la même vision. Quand Joseph est devenu fort, c'est-à-dire premier ministre en Égypte, les mêmes frères qui avaient rejeté les rêves se sont inclinés. Ils ont dit Amen. Ils ont mangé à la table de la nourriture leur offerte par qui? Par Joseph. Et quand il leur a donné des ordres, ils sont allés et tous à Gozen, loger là-bas, manger parce que Joseph a décidé. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à l'Éternel, je refuse toute forme de faiblesse, la pauvreté, le manque, parce que la force c'est également les finances aussi. La force c'est aussi dans les spirituels. Sois fort spirituellement, sois aussi fort physiquement. J'aimerais que tu dises à Dieu que toutes sortes de faiblesses sanitaires, financières, matérielles, spirituelles aussi, sois loin de ma vie. Banda opi pula yango zo kabwana zo beta maboko na zo kabwana na faiblesse nyonso. Je me débarrasse de toutes ces masses de faiblesse et de petitesse. Tout ce qui fait de moi un homme faible, une femme faible, dans le spirituel, tout comme dans le physique. Aujourd'hui, Seigneur, je m'en débarrasse. Seigneur, libère-moi de cela. Que toutes les sémences et toutes sortes de caractéristiques des hommes et des femmes faibles se débarrassent de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence par déclarer cela au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, nous nous levons. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, je viens refuser
tout ce que l'ennemi a pu imposer dans ma vie pour faire de moi faible. Je refuse la faiblesse dans le spirituel. Que mon esprit ne soit plus manipulé. Que mon esprit ne demeure plus faible. Que mon esprit ne soit pas faible devant mes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens refuser la petitesse dans le monde des esprits. Je refuse d'être manipulé spirituellement que physiquement. Père, ne fais pas de moi un homme minable, un homme misérable dans ce monde de vivants. Que je ne sois plus faible, que je sois plus manipulable, que je ne sois plus écrasable. Papa, dans le spirituel, tout comme dans le physique, que toutes les caractéristiques, tous les éléments qui s'attachaient à moi pour me maintenir faible, commencent à se débarrasser de ma vie. Je me débarrasse de tout ce qui faisait de moi un homme faible. Toutes sortes d'éléments qui faisaient de moi un homme faible, une femme faible. Je viens m'en débarrasser ce matin dans les noms puissants de Jésus. Je ne serai plus faible tant spirituellement que matériellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a faiblesse à mon limon. Il y a faiblesse à Nzoto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je refuse la petitesse dans toutes ses formes et de tous ses moyens. Je ne le serai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Plus jamais faible. Que le feu de l'Éternel consume et calcine toutes sortes de tares maléfiques au niveau de ton corps, de ton âme et de ton esprit, qui font que tu sois faible. C'est pourquoi je te demande, mon frère, change même ton attitude, change même ton langage, change même ta façon de penser. Ne te considère plus faible. Jésus est venu pour dire que le faible dise « Je suis fort ». Est-ce que tu peux déclarer cela trois fois? La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». J'aimerais que tu le déclares trois fois en disant « Je suis fort, je suis fort, je suis fort ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, come on. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu le déclares, que le Dieu que je prêche, le Dieu que tu pries, le Dieu que nous invoquons en ces lieux, rende fort, te rende forte, te rende fort, te rende forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui exprimez votre foi. Que le faible dise « Je suis fort ». Si nous sommes forts, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que seulement on l'a déclaré, mais nous le sommes en Christ Jésus. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Clara, toi qui as déjà commencé, qui as vu loin en me disant « Je suis plus forte, je suis forte, plus que forte en Christ. » Merci, merci, merci beaucoup. C'est très bien, maman. Que Dieu te bénisse. Plus fort que la force même en Jésus. Car il a dit lui-même, je suis venu dans ce monde pour que le faible dise, je suis fort. Et quand Dieu te change de la faiblesse en force, il faut que tu te comportes maintenant comme les hommes forts. C'est des hommes forts qui prennent part aux réunions des décisions, aux réunions des prises de décisions et des prises de positions. Cela étant, ne laisse plus le temps aux hommes et aux femmes spirituelles, que ce soit démoniaque, tout comme divin ou divine, de prendre la décision à ta place.
Si tu es toujours absent lors de la prise de décision, cela prouve à suffisance que tu demeures toujours faible. Alors, étant un homme fort, étant une femme forte, manifeste-toi, manifeste cela par ton comportement, par ton attitude, en prenant part aux réunions des prises de décision. C'est pourquoi Jésus-Christ étant venu dans ce monde, il nous a montré, il nous a appris, il nous apprend le monde de vie des hommes forts. Malgré la fatigue, malgré des kilomètres à pied qu'il faisait avec les disciples, les autres revenaient et ils dormaient. Souvenez-vous, mes amis, du jour où Jésus-Christ parle à Pierre pour lui dire, « Pierre, cette nuit, Satan est venu te réclamer. » Est-ce que vous comprenez? C'est pendant la nuit que des grandes décisions sont prises, mes frères. Job a très bien compris ce phénomène. Voilà pourquoi dans les livres de Job, chapitre 3, verset 8, Job dit ceci. Il dit précisément, exactement ceci. Le jour de ma naissance mérite d'être maudit. Par qui? Par les hommes qui maudissent les jours. Par ceux qui ont la capacité d'exciter les Léviathans. Mais il est précis. Il dit quoi? Ces hommes-là opèrent quand? La nuit. Parce qu'à l'introduction, il dit que la nuit qui annonça ou qui proclama le jour de ma naissance soit maudite. Donc c'est pendant la nuit que les décisions sont prises. Mais lesquels participent souvent? Job nous dit, malheureusement, ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas les fils de Dieu, mais la plupart qui participent à ces réunions nocturnes et qui détruisent les jours des autres, ce sont des personnes qui excitent les Léviathans. Léviathan, c'est un type de serpent. Ça veut dire quoi? Ils excitent Satan, ceux qui vont pour adorer l'ennemi, Lucifer. Ce sont les devins. Ce sont des marabouts, ce sont des occultistes. Tu vas les retrouver la nuit. Pendant que toi tu ronfles, il y a des ceux-là qui dorment à 19h jusqu'au grand matin. Je ne t'interdis pas de ronfler. Moi-même, je ronfle même plus que toi. Mais seulement mon frère et ma soeur, Jésus-Christ nous apprend à ne pas passer ces moments-là comme ça inaperçus, mais d'être veillé et de prendre part à la prise de décision, d'émettre son point de vue, de tracer ses lignes, d'effrayer son champ, de défricher son champ, voudrais-je dire, et de s'effrayer des chemins. Jésus-Christ de Nazareth, toutes les nuits, il était en prière. Pendant que les autres dormaient, lui était là en train de prier. C'est ce qui fait que le grand matin, Pierre dormait. Plutôt, il va qu'à ses occupations normalement. Jésus va lui dire, « Pierre, on dirait que toi tu ronflais. Hein? Pendant que tu ronflais là, lors de la prise de décision, Satan était venu pour te réclamer. Il ne t'a pas réclamé pour blaguer avec toi, mais il avait besoin de te sacrifier. Il voulait te cribler. C'est ce qui a été décidé aujourd'hui. Autrement dit, c'est ce qui aurait pu être décidé aujourd'hui si moi je n'avais pas pris part à la réunion des prises de décision. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, papa Pierre, Ntoma, apôtre, ben, ba dame yo. Sokinga, nazala ki te na boutou. So na kwaza ki mpeye ko reklame ou te na boutou. Ben, ba dame yo. Toi qui ne comprends pas les lingala, je répète. Jésus-Christ la nuit, il était en pleine prière. C'est-à-dire quoi? Il prenait part à la réunion des prises de décision
des choses qui doivent s'accomplir dans le monde des fils des vivants la journée. Et c'est là où il va croiser un autre esprit, un autre géant esprit qu'on appelle Satan. Et pendant cette nuit-là, il allait pour décider, c'était déjà son projet, avec ses acolytes, il dit, je vais récupérer Pierre afin de le cribler comme du froment. Les accidents de circulation que nous voyons en cours de route, des morts subites, des coups bas et des coups durs, les braquages, les vols et les enlèvements. Mes frères et sœurs, 90% de ces choses ont été arrêtées dans le spirituel avant qu'on vive leur accomplissement dans le monde physique. Je pose maintenant la question à quelqu'un qui me suit. Êtes-vous au courant de ce qui avait été décidé la nuit? Ah, des questions dans tout le monde. Est-ce que yebikaka na butu, quel type de réunion a été organisée en ton nom et qu'est-ce qui a été planifié, soit pour toi ou contre toi? Maman, je t'encourage. Si Jésus-Christ est le maître et que toi tu es son disciple, le disciple ne fait rien d'autre que ce qu'il a vu faire le maître. Voilà pourquoi je viens t'encourager à élever ta voix la nuit pour prier. C'est pourquoi toi qui pries avec nos États-Unis ici là, au Canada, aux alentours, tu es la personne la plus heureuse. Parce que nous autres, à travers tant de prières agressives, nous sommes la nuit. Et c'est pendant ces moments-ci que des grandes décisions sont en train d'être prises, mes amis. Nazolo banayo, makambo ekokisama lobi na tongo. Ce sont des choses au bazar qu'on décide de faire na butualelo. Les mouvements, les gestes, les actions qui seront posées demain, elles sont décidées maintenant. C'est pourquoi je te prie de ne pas être absent. Quelqu'un me dira, pasteur, non, je ne peux pas dormir toute la nuit, je dois commencer à prier toute la nuit. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Nous parlons de l'esprit. Mais parmi les exercices qui feront que tu puisses participer, ça, c'est la prière d'abord. Tu peux disposer de tes 30 minutes de prière la nuit. Tu peux disposer même d'une heure seulement, même 15 minutes. Mais tu ne laisses pas un vide. Pendant qu'eux décident, qu'ils trouvent que tu es également à l'état d'éveil, tu es en train également de décider. Il y a un terme purement vulgaire que j'aurais pu utiliser, mais vraiment l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de l'utiliser. Terme à Bayanke. Et que Sungon comprendre, toi, mon Bakin, Baba, Basifa, tu peux comprendre. Ola libalali, ça dit quoi? Donc tu es. Aux amours distribagnatio. C'est ça effectivement les combats qui se déroulent dans le monde des esprits. Les faibles, on les écrase. Jésus-Christ lui-même dit, même le royaume des cieux, il est forcé. C'est seulement les violents qui pourront s'en emparer. Même la vie elle-même, on dit c'est un combat. Ah, chrétien, réveille-toi. Voilà pourquoi je vais te demander de dire à Dieu, communique-moi la force de prier. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi un homme de prière. Kodem Belaka n'a pas prière, n'a pas tout le temps, n'a pas émission, n'a pas Facebook, n'a pas YouTube. Que tu sois capable de développer ta vie personnelle de prière. Il y a que n'a bouté 10 minutes chaque nuit, des minutes pile. À minuit 15, je serai dans la présence de Dieu. Soit des minutes pile, à minuit 30, je serai dans la présence de Dieu afin de prononcer, de faire entendre ma voix dans les conseils célestes, dans le monde des esprits où des grandes décisions seront arrêtées. Ne sois pas les plus absents, l'absent de tous les jours. Job absent, on a traité de son dossier.
Pierre était absent. On a traité son dossier dans le monde des esprits. Il a été arrêté quoi? Il faut qu'on puisse le cribler comme du froment. Heureusement pour lui, il avait un avocat qu'on appelle Jésus. Avocat nanga Yesu Christo. Ah, Mike, la main, ça m'a pas embolé. Pasteur Mike. Est-ce que vous comprenez? Heureusement pour lui, qu'il y avait quelqu'un qui prenait part à la réunion pendant la nuit, quand Satan planifiait de cribler Pierre. La voix, une voix contraire, c'est comme à l'Assemblée nationale. Qui sont pour, qui sont contre. Il y avait maintenant la voix qui était contre, la voix de la majorité, la voix du plus fort. Yeso Télémi, où vas-tu? C'est ce qui a fait que Pierre a eu la vie sauve. Mais ce jour-là, Job était absent. Bien aimé, Dieu défendait sa cause, mais Satan l'a emporté. Personne pour plaider en sa faveur. Et voilà que ce qui a été arrêté là-bas. Le lendemain matin, c'était la pluie d'exécution, la pluie d'accomplissement. Ndeba makambo yo, tozo kutanaka na wana ba vie. La plupart des combats que nous sommes en train d'endurer, des fois c'est des résultats, c'est des choses qui ont été arrêtées depuis quelques mois. L'accomplissement c'est aujourd'hui. Je vous avais donné l'exemple d'une sœur avec qui nous avions prié, qui avait été, n'est-ce pas, réclamée depuis sa famille. Dieu lui a révélé des choses depuis 4 à 5 mois. Dieu lui montre ses membres de famille qui quittent l'Europe. D'autres quittent l'intérieur du pays. Et puis Dieu lui montre la parcelle dans un quartier bien précis. Les membres des familles qu'elle a rêvé là, c'est des personnes que Dieu lui a montré dans les rêves. C'est des personnes qui se sont séparées, ça fait une vingtaine d'années. Mais ils les rêvent ensemble. Même elle-même, elle était confuse dans les songes. J'ai dit, papa, c'est des membres des familles qui ne sont jamais ensemble. Mais je les ai retrouvés, se sont rassemblés dans telle parcelle. La parcelle est située dans tel quartier. Qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Ça a été décidé qu'on puisse abattre ou bien arracher la tête d'une chèvre. C'est dans la réunion, le vif du sujet, c'est qu'on puisse couper ou bien arracher la tête d'une chèvre. Effectivement, on donne maintenant la machette à l'une de ses sœurs, une cousine comme ça. Elle prend la machette, elle veut couper la tête de la chèvre et puis elle s'écrie. Oh. Et regarde attentivement, c'était pas la chèvre, mais c'était sa tête à elle. Maintenant, la personne qui avait la machette en main s'exclame. Elle dit, mais c'est quoi ça? On veut tuer cette fille. Pourquoi? Et celle qui avait la machette commence à avoir peur. Elle tremblait. Elle ne pouvait pas achever l'opération. C'est un songe. Ndoto. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de faire comme songe ces derniers temps. Je ne sais pas ce que toi tu es en train d'endurer, de vivre dans la nuit, comme cauchemar, etc. Bien aimé, on a compté un mois, deux mois, trois mois, le quatrième mois pratiquement. L'une de ses tantes, l'une de ses mères, de ses mamans, va quitter le pays en Occident. Waouh! Parcelle familiale. Il va se rassembler avec des personnes les mêmes personnes qu'elle a vues en rêve. Les mêmes personnes. Et vont habiter où? La même adresse qu'elle a vue en rêve. Et c'est à partir de là qu'on lui appelle pour lui dire que tu crois la tante Intel, elle est ici. Et l'oncle Intel, il est ici. Et le frère Intel, il est là. Ah, 4 mois après. Est-ce que vous comprenez? Heureusement pour elle
que ce qui avait été révélé avait été condamné. To bandi ko papa yango tozo picola tozo boya machete morote okatana na mutu a mamoyo nzambe tozo picola tozo boya ta prière de combat, la prière de combat, la prière de feu. C'est à travers ce moment de prière, mes amis, qu'on a pu neutraliser l'action maléfique. Je ne vais pas donner trop de détails ici. Nous sommes à l'internet. C'est pourquoi, bien-aimé, si la maman là n'était pas en présence de Dieu la nuit, elle n'avait pas la vie de prière, parce qu'on prie avec elle dans temps de prière agressive. Ce n'était pas dû à la prière. Bien-aimé, je vous dis, voyez-vous, 4 mois après, ce qu'elle a vu en rêve, 4 mois, ça s'accomplit. Ça dit quoi? Des choses et des événements auxquels nous assistons dans notre vécu quotidien. Et à ma kamoko monté depuis. Le plus grand problème, pourquoi ça arrive aux autres et ça se matérialise, c'est que lorsqu'ils prennent ces décisions, vous les laissez faire, vous les laissez prendre des décisions. Il n'y a pas une voix pour s'opposer et pour perturber cela. Mais ce matin, cette nuit, la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que le Dieu Tout-Puissant qui t'instruit à travers cette émission, qu'il te donne la force, il te donne la puissance. Il a dit lui-même, je suis venu dans ce monde pour que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Or, comme il fait de toi un homme fort, comporte-toi maintenant comme des forts. Les forts prennent part à la décision, à la prise de décision. Les grandes puissances participent. Que quelqu'un dise, désormais, je participerai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence maintenant par participer. Commence maintenant par participer. Élève ta voix. Si hier tu as manqué des réunions, si le mois passé tu as raté beaucoup de réunions parce que tu ne ronflais, que tu ne faisais que ronfler, et tu ne priais pas assez pendant tes heures de nuit, pendant tes nuits, tu vas maintenant dire à Dieu, tu m'as donné le pouvoir de détruire et de construire. Tu as dit je détruirai ce que toi tu n'as pas construit. Tu m'as donné le pouvoir de démolir tout ce que toi tu n'as pas bâti dans ma vie. C'est pourquoi maintenant, je prends la décision comme l'un des participants à la prise de décision de ma vie. Je viens révoquer, je viens rejeter en bloc tout ce qui a été arrêté par l'ennemi. Tout ce qu'ils ont décidé sur moi, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon travail, sur ma santé, sur ma destinée, sur ma vie, sur mon ministère. Tu parles de tout ce qui t'engage. Moutoise de l'eau sous décision. Lobana yumana binote. Naza gobe gobete. Nazali lembele lisusute. Aujourd'hui j'ai compris. Dieu a fait de moi un homme fort. Dieu a fait de moi une femme forte. C'est pourquoi je viens révoquer. Je rejette d'emblée toutes les mauvaises décisions. Tout ce que vous avez planifié contre moi, contre ma famille, contre mon travail, contre ma santé, contre ma femme ou mon mari. Bien-aimé, commence par déclarer. Je te donne 5 belles minutes où tu pries avec énergie. Tu révoques, tu détruis. Soit birin, soit marteau, soit tracteur à mon limo. Picola biloko nyon soba l'onéliona vie. La Bible dit, l'arbre que mon père n'a point planté sera déraciné. Nanya l'onélio li babé na vie. Nanya l'onélio blocage na vie. Qui a planté l'échec, l'humiliation, la ruine, la maladie et la mort, ça ne vient pas de Dieu. Alors ne les laisse pas faire. C'est ça l'exercice auquel nous allons nous appliquer aujourd'hui. L'arbre que ton père n'a point planté, ça dit quoi? Les projets, la vie que Dieu n'a pas prédestinée pour toi, ça doit être déraciné. Dieu a dit, tu vivras rassasié des jours sur cette terre. Dieu dit, je veux que tu prospères en tous égards, que tu sois en bonne santé.
Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu dois commencer par déclarer que tout ce qu'on a sémé sur moi, que même quand tu es déjà en train de vivre cela, c'est possible que tu l'annules. Souvenez-vous de Samson qui était déjà avec les yeux crevés, mais il a fait une prière qui a renversé toutes les stratégies et toute la fête a été arrêtée. La fête des méchants a arrêté par une seule prière de Samson. Ne minimise pas ta prière parce que papa, mais moi je suis déjà malade. Même si tu l'es déjà, papa, moi je vis déjà des problèmes. Même si tu es déjà dans des problèmes, tu es un fils de Dieu à l'instar de Samson. Tu es une fille de Dieu comme Samson. Élève ta voix pour dire à Dieu des choses. Et ce que tu vas décider, c'est ce qui s'accomplira. Tout ce qu'ils ont planifié, fête na bango katana katikati. Organisation na bango, ba mbongo na bango za la limité, ba promesse ba sali bango pour na makila na yo. Et qu'on l'a tanzotote, parce que tu es de la race de Samson. Commence par secouer les poteaux. Au nom puissant de Jésus. Banda ko secouer ba poteaux. Ba pesi bango récite. Ba pesi bango ba mission. Ba pesi bango ba galon. Ba promettre en ma camp. Tu vas dire à Dieu tout ce qui a été planifié. Comme ça ne vient pas de toi, je commence par les renverser ce matin. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je commence par renverser tout ce qui a été planifié, programmé dans ma vie, sur ma famille, sur mon foyer, sur ma destinée. Tout ce qui a été décidé dans le monde des esprits. Moi, Patrick, dans le nom de Jésus-Christ, je viens comme un homme spirituel pour émettre mon point de vue. Papa, à la prise de décision, je vais à la source pour révoquer les mauvais décrets sur ma vie. Décrets de maladie, décrets de mort, décrets d'empoisonnement, décrets d'assassinat, décrets de mort subite, décrets d'accident, décrets de divorce, décrets de blocage, décrets de source, décrets de stérilité, décrets de limitation, décrets de veuvage, décrets de célibat, décrets de blocage, décrets de pleurs. Je les annule au nom puissant de Jésus. Je révoque tout ce qui a été décrété contre ma vie, contre ma santé, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mon ministère, contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été planifié, programmé et planté, que cela soit nul et non avenu, je les rejette en bloc. Je déchire les ordonnances qui avaient été déjà montées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, entends la prière de ton fils, entends celle de ta fille qui élève sa voix maintenant pour renverser tout ce qui avait été programmé le long de cette journée, que ça soit démantelé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été monté de toute forme de pièces contre nos vies, contre notre séjour dans ce monde, que cela soit démantelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, parce que tu es le Dieu qui honore les paroles de tes serviteurs et les prédictions de tes envoyés. C'est pourquoi maintenant, nous détruisons, nous annulons tout ce qui avait été arrêté depuis le monde des ténèbres contre tes fils et tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, maintenant, je m'en vais poursuivre tout ce qui avait été décrété depuis le village, depuis le pays, depuis la ville, partout. Tout ce qui a été monté contre nous, ce soit nul et non avenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez-moi, nous avançons. Que Dieu te bénisse, toi qui prie bien. Je te demande encore de me donner quelques partages. La Bible dit, fais de l'Éternel ses délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Depuis que tu es connecté, tu n'as pas partagé. Je te demande de partager, de partager et de partager. Partager, partager, partager. N'oubliez pas que le grand programme de prière est maintenu pour le 20 septembre. Du 20 septembre, donc du 20 de ce mois, jusqu'au 30. 10 jours de prière sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala. 10 jours de prière et de combats spirituels sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala. 10 jours de prière pour quoi faire? Contre les conflits familiaux. C'est pourquoi toi qui ne t'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, va t'abonner déjà. Après la fin de cette émission, abonne-toi. Toi qui ne t'es pas encore abonné, tu as un frère, une sœur à toi dans la famille
qui ne s'est pas encore abonné, abonne, lui dis-lui de s'abonner. Si tu as son compte, dis-lui, donne-moi, je vais rentrer, crée-lui un compte. Tu aimes ton frère qui est même en Afrique, crée-lui un compte YouTube, qu'il s'abonne. Qu'on prenne part à ces 10 jours de prière. Ça ne sera pas sur Facebook. Sur Facebook, ce sera peut-être des rediffusions, mais ça sera des directs sur YouTube. 10 jours d'affilée, du 20, 21 jusqu'au 30. 10 jours de puissantes prières sur la chaîne YouTube Patrick Kalala. C'est ça notre chaîne YouTube. Patrick Kalala. Vous allez voir sur notre photo de profil, le pasteur est habillé en veste noire, chemise jaune, assis sur une chaise en bois. Abonnez-vous. Bien-aimés, ceux qui combattent nos émissions-là, c'est parce qu'ils savent qu'un travail sérieux et profond se fait. Il y a d'autres qui ont la semence de la sorcellerie depuis bon mois, na colline, na motia, qui ont la technologie. Mais la technologie, tu penses que ce ne sera pas pour construire, ce sera pour combattre partout à la vérité. Je t'ai pris, mon frère, de ne pas rater cette occasion. Abonne-toi déjà. Écoutez, mes frères. Pierre réclamait. Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est la voix de l'homme fort pendant la nuit. Ce n'était pas la journée, mais c'était la nuit. Pendant la nuit, la Bible dit, Jésus-Christ a barré la route à Satan. Il dit, on t'a réclamé. Ça dit quoi? Ils ont souhaité le malheur. Mais moi, j'ai prié. Voilà pourquoi tu n'es pas criblé. Je te vois et je te parle maintenant. Si je n'avais pas prié, toi là, tu ne serais plus. Tu serais déjà en train d'être criblé par le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Jésus nous faisait voir, ou faisait voir à l'apôtre Pierre et à ses disciples que nous sommes, que la prière est capable de barrer et d'empêcher les plans de Satan sur nos vies dans le monde physique. Donc même comme Satan avait reçu la mission et le mandat d'aller attaquer les affaires de Job, si Job était informé de la situation et qu'il pouvait seulement se lever dans la prière, il pouvait empêcher certaines choses de s'accomplir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen plus fort que ça? La preuve en est dans Actes chapitre 12. Papa, dans notre famille, la sorcellerie, c'est vraiment, elle est sophistiquée. S'il y a des Américains qui sont les premières puissances en invention, etc., nous, dans notre famille, nous sommes première puissance en sorcellerie. Parce que la tante Sidonie, là, vraiment, elle, quand elle décide, papa, dans notre famille, tout est noir. Même si c'est la sorcellerie la plus noire, Jésus-Christ a révélé. En disant ceci, on a voulu te cribler, mais moi j'ai prié. Donc ma prière a annulé, a empêché le plan machiavélique que Satan avait sur toi. Dans Actes des Apôtres chapitre 12, c'était dans la même prison du machiavélique. On l'appelle comment? On l'appelle Hérode. C'était dans la même prison qu'on a coupé la tête de Jacques. Bah wana bah vrai bandit, bah vrai assassin, bah vrai sorcier, bah vrai occultiste. Ce sont des vrais voleurs, des vrais escrocs. Papa, bah on va limbi sarate. Oui. Mais la prière puissante des justes est capable de te sortir de leurs mains. La Bible dit dans la même prison. On avait placé Jacques, l'apôtre du Seigneur, on lui a coupé la tête. L'église n'avait pas prié. Mais dans la même prison, on a coupé Jacques, on a décapité la tête de Jacques. La Bible dit, mes amis, on a mis Pierre dedans. On a fait également 3 barrières avec des soldats, des gardiens, des geôliers. Mais l'église s'est mobilisée dans la prière.
Boutou boutou. Rokanda ya baba. Comme on prie là. Certains pensent qu'on est des fous. La foi est une folie pour les païens, mais une puissance pour nous qui héritons les salut. Je viens t'informer que par ta prière, tu es capable de perturber le projet maléfique, ce qui a été arrêté par l'ennemi. Le plan d'Hérode, le plan du peuple juif peut être stoppé et empêché par ta prière. La prière fervente du juste, disent les saintes écritures, a une grande efficacité. Ma bende ba te belle te une cosa bella, mais te une cosa la ba justeté. On ne veut pas marcher dans la crainte de Dieu. On ne veut pas développer la vie de la sanctification. On a un pied dedans, un pied dehors. Voilà pourquoi nos prières sont souvent inefficaces. Mais si tu es en Christ Jésus et que tu fasses des prières puissantes, ça dit quoi? Tu es en ce moment-là en train de participer à la réunion des prises de décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, tu es le tableau, mon ami, bien, bien, bien. À la réunion des prises de décision, Yaya. C'est par la prière qu'on prend part à cette réunion. Tu seras capable de détruire. C'est ainsi que les programmes de l'ennemi seront annulés. C'est l'ennemi que tu déprogrammes. Le programme était que Pierre soit criblé. Jésus a prié. Programme en écho qui s'amate. Le programme était que Pierre soit décapité comme Jacques. L'église a prié. Les fidèles, ils ont prié. Parce que quelqu'un me dit, papa, là c'était Jésus. Hein? C'est Jésus qui a empêché. Mais à l'époque de Pierre, quand il était déjà apôtre, c'était qui? C'était les fidèles. Les plus petits de Jésus. Je viens pour te rassurer que ta voix est capable de se faire entendre aussi dans les lieux très hauts. Ne minimise pas ta prière. Ta petite prière dans ta chambre là, elle est capable de déprogrammer les projets de méchants. Programme de l'ambassade depuis des années, depuis des mois. Parce que tu t'élèves dans la prière comme ce matin. Pendant que tu es en train de déclarer, je t'annonce mon frère ou ma soeur, que les projets de méchants seront déprogrammés. Que la puissante main de Dieu puisse déjouer tout ce qui a été monté contre toi. Prie maintenant en faveur de tes activités. Prie en faveur de ton foyer. Prie en faveur de ta santé. Commence par dire à Dieu, je déprogramme, je secoue tout ce qui a été projeté, les décrets signés, je les consume. D'abord, je les déchire, tout ce qui a été signé sur moi et contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si on avait déjà envoyé Satan qui vienne pour détruire tes activités, comme à l'époque de Job, mais toi tu peux élever ta prière et du haut de ton trône, Dieu enverra tes anges. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, souvenez-vous que l'ange du séjour des morts avait déjà été envoyé pour récupérer la vie d'Ézéchias. Mais Ézéchias est rentré dans sa chambre, face contre mur. Un roi païen, bien-aimé. Ce n'était pas un fils de Dieu. Il était païen. Il n'était pas juif. Bien-aimé Seigneur, plutôt. Il n'était pas, bien-aimé Seigneur, comme toi et moi, chrétien. Mais il était un roi. Un roi, bien-aimé. Bénin, vide des autres. La Bible dit, il souffrait d'ulcère frappé par une maladie. À cause de sa mauvaise vie, frappé. Dieu dit, dis-lui de se préparer parce qu'il va mourir. Quand Dieu a ordonné comme ça, c'est que l'ange du séjour des morts était déjà dans la parcelle d'Ézéchias. Comme ce matin, depuis ta famille, depuis ta belle famille, depuis ton lieu de travail, depuis ton quartier, une réunion a été décidée. Ils ont envoyé un ange de séjour des morts pour récupérer ta vie, récupérer tes enfants, récupérer ta femme ou ton mari. Te précéder dans toutes tes voies, ça a été accident de circulation. Mais la Bible dit, Ézéchias, il est rentré dans sa chambre. Il a tourné la face contre les murs. Il a fait une prière. La prière de l'homme de Dieu, du roi, va faire que le ciel soit mobilisé.
l'ange de la mort soit dévié et détourné. Dieu lui dit, Esaïe, rentre encore à la même adresse pour dire que j'ai changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la prière d'Ézéchias qui a fait que Dieu change la décision. Au lieu de l'ange de la mort, dit-lui, je lui envoie l'ange de la vie. Il va lui communiquer 15 ans de bonus. Tu peux déplacer les bornes. Le monde des ténèbres, qui limite na vie na yo. Allez, quand moi, je joue un témoin, je joue l'équi. Allez, quand moi, je joue un témoin, je joue l'équi. Allez, quand année haute, année haute, je joue l'équi. Allez, quand année prochaine, je joue l'équi. Mais c'est lui qui est souverain, qui a la dernière signature sur ta vie. C'est l'Éternel des armées. Pourquoi ne pas lui parler en face directement pour lui dire, Seigneur, passe les langues ordonnances, Juan. Repoussez les anges de la mort. Le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême. C'est lui qui octroie le souffle de vie à tout être sur cette terre. C'est devant ce Dieu que nous nous trouvons maintenant. Allez, commence à lui parler. Ne peux-tu pas déplacer la borne devant mes activités? Jusqu'à quand on doit limiter mon travail? Jusqu'à quand on doit combattre mon commerce? Jusqu'à quand on doit combattre les études de mes enfants? Et Zara Lelo a béli le bazam à l'hôpital. Les autres vont étudier, mais les tiens sont toujours à l'hôpital. Ils ne savent plus retenir la matière à l'école. Les autres émergent dans les affaires, toi tu as des problèmes de finances. Tu vas dire Éternel des armées, que tout ce qui a été programmé soit déprogrammé. Que les limites tombent, que les barrières tombent, que je fasse de percées des avancées. Restaure et rétablis de l'ordre dans ma vie, dans mes entreprises, dans mon foyer, dans ma maison. Si on comptera des femmes et des hommes qui vivent en harmonie dans leur foyer, que ma maison soit comptée. Je déchire les limites, les lois établies. Là, on va compter des personnes bénies en termes d'enfants, en termes de richesse, en termes de bonne santé, en termes de paix et de joie. Que ma maison soit comptée. Je déchire l'ordonnance des condamnations. Commence par détruire cela. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, ce matin nous t'invoquons, nous déchirons les ordonnances, tout ce qui a été programmé dans le monde de méchants, dans l'occultisme, dans le talisman, dans la magie, dans la sorcellerie, le décret arrêté depuis le monde des ténèbres pour limiter nos vies, limiter nos activités, détruire nos santé, détruire nos affaires. Père éternel, ce matin, ma prière au Dieu est que tu déchires les ordonnances, que ton feu s'allume pour brûler, consumer tout décret arrêté contre Job. Je te présente maman, mon frère et ma soeur qui est comme Job d'aujourd'hui. Je te représente ma vie comme celle de Job en ce jour. Je viens arrêter tout ce qui a été déprogrammé. Je le déprogramme. Tout ce qui a été monté de toutes pièces, Seigneur, pour gâcher les vies, détruire les destinées. Seigneur, ce matin, que le programme de l'ennemi soit démantelé et que le feu de Dieu brûle les ordonnances, des limites, des lois établies, des blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qu'ils ont arrêté depuis le monde occulte soit détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tendre Père, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de te lever maintenant. Shandara baba 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 baba. Rukandara koroborose. Randaria kora baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été arrêté contre toi, tout ce qui a été programmé soit déprogrammé ce matin. Tout ce qui a été monté de toutes pièces par le monde des ténèbres soit démantelé maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout plan ainsi que tout projet de l'ennemi soit détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu me donnes un amen plus fort que ça, que l'Éternel des armées exauce ta prière. Que Dieu accomplisse ce que tu es en train de déclarer. Ce que tu es en train d'annuler, ce que tu es en train de déprogrammer, que ça soit déprogrammé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu te bénisse. Je n'ai pas compris, quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire que le bon Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment.
ne les laisse plus décider sur ton sort. Ne les laisse plus décider sur ta vie. Ne les laisse plus décider sur ta famille, sur tes affaires. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras plus les blocages. Tu ne vivras plus les déserts. Tu ne vivras plus la limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Que le Dieu Tout-Puissant te rende au large. Que le Dieu Tout-Puissant te rende au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui prie bien. Que Dieu te bénisse, toi qui prie bien. Que Dieu t'ouvre des portes, toi dont les portes étaient fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu opères. Merci Seigneur parce que tu interviens. Merci parce que tu restaures. Merci parce que les portes s'ouvrent. Merci parce que les programmes sont annulés dans la vie de tes enfants. Gloire à Jésus. Partagez, partagez, partagez. Il ne nous reste plus que 11 minutes pour clôturer. Dans 11 minutes, on va clôturer. Ah, Job! Tu es un grand homme d'affaires, un grand entrepreneur. Je parle à une maman Job. Tu es une grande femme de ménage. Je parle à un papa Job. Tu es un grand homme d'affaires, un grand commerçant. Maman, tu travailles durement au travail, on te respecte. Mais tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tout simplement parce que tu les as laissés prendre des décisions à ta place. Tu les as laissés prendre des décisions à ta place. Mais à partir d'aujourd'hui, que les calculs changent. Il y a un adage de ce monde qui dit ceci, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Ça dit que quand les gens décident et que toi tu ne veux pas participer, quand les gens décident et que toi tu les laisses décider, toi tu ne seras là que pour subir. Quand les gens ont décidé et toi tu ne dis rien, c'est que tu acceptes ce qu'ils ont décidé à ta place. Qui ne dit mon consent. C'est pourquoi mes frères, Goliath a maltraité Israël pendant 39 jours. Je répète, Goliath a maltraité Israël pendant 39 jours. En disant quoi? En disant exactement ceci. Vous êtes des sauterelles, vous, esclaves de Saoul. Vous êtes des quoi? Des sauterelles. Vous, les esclaves de Saoul, vous êtes des sauterelles à nos yeux.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Il dit ceci. Vous êtes les esclaves de Saoul. Ah bon, esclaves? Pendant qu'il prononçait cela, ce n'était pas le même jour qu'il a prononcé. Il a fait ses déclarations pendant 39 jours et 39 nuits. Matin, midi, soir. Eh, vous, les esclaves de Saoul, présentez-moi un individu parmi vous qui puisse m'affronter. S'il sortait vainqueur directement, vous allez dominer sur nous. Mais s'il ne peut pas m'affronter, mais je crois, je ne pense pas que quelqu'un pourrait même oser, parce que vous êtes petits à mes yeux comme des sauterelles. Et lui restait là, calme. C'est la maladie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pendant que les sorciers font des imprécations toutes les nuits, ils sont là derrière ta photo. Hein? Qu'il échoue, qu'il soit bloqué, qu'il soit limité et que les affaires ne marchent pas, qu'il meure, qu'il subisse, qu'on l'escroque, qu'il soit braqué, qu'on puisse les détourner, qu'il puisse être licencié au travail, qu'il ait des sérieux problèmes. Et ils sont là en train de faire des imprécations toutes les nuits. Hein. Pendant qu'ils font des imprécations, toi tu dors. Pendant qu'ils font de l'enchantement, toi tu es distrait. Pendant que et la nuit, ils font des imprécations, toi tu es distrait, distraite. Toutes les nuits sont là, ils se rassemblent. Ma soeur et mon frère, partage ce lien à quelqu'un. Une âme sera sauvée par cette séance de prière. Tu es sur YouTube, partage sur WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux, partage sur Facebook, dans les groupes. La Bible dit, pendant 39 jours, Dieu était là en train d'observer. C'est pourquoi Dieu regarde aussi certaines personnes souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne récupères pas ton pouvoir. Mais la Bible dit, le jour où David arrive à Térébent, il dit non, moi je ne suis pas de ces rangs-là. Je ne suis pas ce genre de personnes qui doivent subir et subir. Je ne suis pas dans la philosophie de qui ne dit mon consent. Moi je dois dire mon. Est-ce que tu peux dire un mot maintenant sur ta vie? Pendant qu'eux planifient la mort, toi tu ne peux pas planifier les bonnes choses sur toi. Tu peux confesser également, programmer des bonnes choses. Pourquoi seulement ce qu'eux disent doit s'accomplir sur toi? Pourquoi toi tu ne peux pas planifier des bonnes choses sur ta vie, sur ta maison, sur ta femme, sur tes activités, sur ton travail? Ils sont spirituels comme toi tu l'es aussi. La différence c'est seulement qu'eux sont la spiritualité de Satan. Et toi, tu es la spiritualité de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ s'est tourné en disant, je vois les princes qui marchent à pied comme des esclaves. Mais les esclaves ont récupéré le pouvoir et se comportent comme des princes. Et ils sont en train d'exercer leur spiritualité. Allez-y dans des pays, dans des villes côtières, telles que Pointe-Noire, Kisangani, Matadi, Boma, Luanda. Allez-y aux environs de 1h du matin, 2h, vers la côte. Vers l'océan, vous allez trouver des belles voitures là-bas. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que ces belles voitures vont faire là-bas? Mais ils font des invocations. Ils dédient leur vie à des sirènes des eaux. C'est des prières mystiques qui se font. Allez dans des loges, dans des laboratoires, vous allez voir. Dans certains pays, bien aimés Seigneur, dans certains coins, vous allez voir des gens qui vont dans des toilettes, ils récupèrent des matières fécales qu'ils mangent. C'est comme une sorte de secte qui est de l'autre côté des baumes là-bas, j'ai entendu parler. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Mais pendant ces temps que font des chrétiens, tu ronfles, et puis pendant la journée, tu ne récupères même pas la prière, tu commences à critiquer seulement les gens. D'ailleurs, parler de la vie des autres, c'est ce qu'on connaît. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi maintenant, mon frère, j'aimerais que tu appliques aussi ta spiritualité. David arrive à Térébent. Pendant que Goliath parle, il prononce, il ouvre sa bouche pour parler. Lui dit, moi,
je ne suis pas dans qui ne dit mon. Moi, je dois dire mon. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Ces mots-là que moi je dois dire. Je dois prononcer une parole. Au tché, to tché. Au lobby, to lobby. Au saki, to saki. Au sakoli, to sakoli. Parole contre parole. Est-ce que vous comprenez? Au loki, to loki yo. Na bonzambe siko. Satan lobby, criblé. Comme le froment. Jésus-Christ dit jamais. Jamais de la vie sur Pierre. Les propos de qui se sont réalisés. Jésus est toujours vainqueur. Il est tout pour moi, oh, l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, oh, Jésus. Que Jésus-Christ s'élève dans ta vie aussi, mon frère. Moi, je dis mon ce matin. Que Dieu te bénisse, maman. Commence par dire un mot sur ton travail. Commence par dire un mot sur ta santé. Commence par dire un mot sur ton foyer. Commence par dire un mot sur ta vie. Dis un mot sur le travail de ton mari, de ta femme, les études de tes enfants. Commence par prononcer ça. Loin de moi l'échec. Loin de moi la mort prématurée. Loin de moi l'accident. Le malheur ne sera pas le partage de ma maison. Pas de deuil ici. Pas la mort ici. Pas la souffrance dans ma vie. Pas de limites et de blocages. Pas les projets de mes ennemis. Ce qu'ils ont planifié contre moi ne s'accomplira pas dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes amis, ça fait partie du combat spirituel. Daniel, avant de rentrer dans la fosse au lion, il a prophétisé sur lui-même. Il s'est frayé un chemin. Il a créé, il a déclaré de par sa bouche. Il dit, j'entrerai dans la fosse et le Dieu que je sers, devant qui je n'ai pas péché, ni contre toi le roi, c'est Dieu me délivre. Il a prononcé ça de sa bouche. Il prononcera guérison na yote. Il prononcera délivrance na yote. Il confessera protection na yote. Tu ne confesses que des pleurs. Tu ne confesses que des lamentations. Daniel a prophétisé sur son sort avant d'être jeté dans la fosse. Prononce des paroles. Dis des choses. C'est vrai, ils ont creusé une fosse contre moi. Mais la Bible dit, celui qui creuse la fosse contre toi, il tombera lui-même. Ndeba malwe folo baka. Motonyon soza rola la pongite. Waza otambu la butu moi. Ko planifie mlikama na vina yo. Lobazo wa mutu kate atambola. Kakali wazo suete yo kufa na mutu ka. Ya kufa kuna na kati. Ako glisse na snow akota na sa remorque. Prononce des paroles. Parole contre parole. Projet contre projet. Daniel a déclaré, je suis saint, je suis juste devant Dieu. Le Dieu de la Bible n'a point changé, mes amis. Le malheur qu'il souhaite sur toi, là, lui-même doit vivre ça. Il souhaite que tu meures par maladie, il mourra lui-même par la maladie. Il souhaite que tu puisses être répudié de ton foyer, c'est elle qu'on doit répudier. Élève ta voix, commence à déclarer. David arrive à Térébent. Il dit ceci, c'est ta tête à toi qui sera coupée et c'est ton sang qui sera bu par les oiseaux du ciel. Ce n'est pas Israël qui sera humilié. Bien-aimé, David a prophétisé. Il a vu l'accomplissement de ses propos. Daniel a prophétisé. On a vu qu'il était dans la fosse. Dieu l'a délivré, il est sorti sain et sauf. Mais ceux qui avaient creusé la fosse sont rentrés dedans, ils ont été dévorés. Prophétise, parle. Est-ce que tu peux prendre tes belles minutes, commence à déclarer maintenant sur ton sort. Dans le nom puissant de Jésus, déclarons maintenant, comme les fils de Dieu, comme les gens de la race de David, ouvrons nos bouches et confessons. Confesse des choses dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, ce matin, je viens annuler tout ce qui a été décrété comme l'ennemi, par l'ennemi contre moi. Tout ce que les méchants ont programmé contre moi, ça ne s'accomplira jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je décrète ici sur cette terre, parce que tu m'as dit, ce que je vais déclarer sur la terre, c'est ce que tu accompliras au ciel. Ézéchiel, dans sa chambre, il a annulé la mort, il a refusé la mort prématurée. Du haut de ton trône, tu as déchiré cela. Maintenant, je déclare que toute personne qui a creusé une fosse quelque part contre moi,
contre ma maison, ma femme, mes enfants, mon ministère, ma santé, ma vie, ma destinée. Papa, que la force qu'il a creusée la rattrape lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'humiliation, la ruine, le blocage, les échecs, la honte, soit son propre partage. Je prophétise comme Daniel. Seigneur, je rentre à la fosse au lion. Aucun lion ne me dévorera. Au nom de Jésus-Christ, que les anges qui fermèrent la gueule des lions dans la fosse au lion, maintenant qu'ils visitent chacun de tes enfants avec qui nous prions maintenant, que les gueules des lions soient fermées, que les gueules des lions soient fermées au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, l'ennemi dans la ville, dans le pays, à travers la pandémie, les gens sont en train de mourir parce que les lions sont ouverts, ont ouvert leur gueule, ils sont en train de dévorer. Papa, que le fils d'Abraham avec qui nous prions maintenant, que tes anges les localisent en fermant des gueules de lion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne sur mon chemin, physique ou spirituel, avec une mission de destruction des destinées, destruction du travail, destruction du ministère, destruction des activités, destruction du commerce, destruction des affaires, des études de tes enfants, que les gueules de lion soient fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons les armes de l'ennemi et nous décrétons maintenant la sécurité, le succès, la réussite, la gloire, l'épanouissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où il y avait la mort, que la vie puisse prendre part. Il y avait des limitations, que les portes s'ouvrent. Là où il y avait des blocages, que les écailles tombent et que les limites soient brisées. Au nom puissant de Jésus, nous prophétisons la restauration, la protection, la bénédiction, la réparation de ce qui a été détruit. Au nom de Jésus, là où il y avait la maladie, nous confessons maintenant la puissance de Jéhovah Rapha, que la guérison divine, la guérison miracle commence à se manifester. La puissance de la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes sortes de bombes à retardement par des maladies sorcelleriques, des maladies du monde et des ténèbres, que ça soit neutralisé parce que la puissance de la guérison est à l'œuvre. Père, étends ta main à travers l'onction divine. Brise les jougs, que toute forme de maladie démoniaque puisse libérer les corps, que les opérations miracles commencent à s'opérer maintenant, que la guérison divine commence à traverser les corps dans le nom de Jésus-Christ, que les miracles s'opèrent. Tout projet de l'ennemi sur la vie de tes enfants, de tes fils, tes servantes et serviteurs, pour l'amputer leur destinée par des maladies bizarres. Maintenant que ces maladies libèrent les corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, manifeste-toi comme Jéhovah Rapha. Nous invoquons, nous proclamons la guérison miraculeuse dans les corps des fils et des filles de Dieu. Rakanda yakora babababab. Répare et restaure tout ce que l'ennemi a détruit comme santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, agis. Le Dieu de Daniel, tu n'as pas changé. Répare et restaure tout ce que le diable avait programmé depuis le monde de la sorcellerie. Nous renversons des marmites dans lesquelles on avait déjà versé le sang. Nous vidons ces marmites pleines de sang. Aucun sang de tes fils, de tes filles ne sera bu ni versé à terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prophétisons la longue vie. La longévité soit le partage de chacun. La restauration pour celles et ceux dont les vies ont été gâchées. Au nom puissant de Jésus, que les foyers soient restaurés. Que des guérisons en cascade soient manifestes. Que la protection divine soit le partage de tout un chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions comme des personnes qui prennent part à la réunion de prise de décision. Papa, nous décidons ainsi que nos vies soient cachées avec Christ Jésus en Dieu dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec les bien-aimés, nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le Seigneur des seigneurs? On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Donne-moi trois fois. Amen. Amen.
et Amen. Alors maintenant, je te prie de bien vouloir acclamer le Seigneur. Je bénis ta journée. Je bénis l'étoile brillante du matin. Je te bénis. Je bénis tes activités. Je bénis ton travail. Que les portes te soient ouvertes. Je suis en train de profiter pour bénir tous ceux et toutes celles qui sont en train de soutenir ce ministère. Maman, depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Maman, depuis les États-Unis d'Amérique, que Dieu te bénisse. Toi qui songes aux orphelins, toi qui songes aux démunis, et toi qui soutiens le ministère du pasteur Kalala, à travers Patrick Kalala Ministry, que le Dieu que je sers te bénisse, qu'il t'arrose et qu'il t'ouvre les écluses des cieux. Ah, merci maman, je te vois depuis la Belgique, hein? Merci beaucoup. Que Dieu arrose, qu'il t'arrose, qu'il te bénisse. Je sais que je prierai pour toi en particulier. Vous êtes là, vous êtes touché, vous croyez en notre ministère, vous voulez le bénir par les dons. Oui, vous pouvez bénir cette œuvre du ministère. Vous appelez au plus 1-331-262-4903. Ceux qui sont aux États-Unis, ils envoient par Cash App, mais on dirait qu'ils ont du mal. Et ça crée un petit, des petites complications. Voilà pourquoi je vous recommande d'envoyer toujours, si vous voulez le faire en ligne, sur PayPal, c'est mieux. @PatrickKalalaMinistry. Vous envoyez par ces liens-là, ça va nous arriver. Et si vous avez du mal à le faire, parce que beaucoup également ont du mal à le faire, ils veulent le faire par transfert. Le numéro de téléphone, c'est le plus 1-331. Plus 1-331-262-4903. Plus 1-331-262-4903. C'est par ces coordonnées téléphoniques qui sont affichées là-bas que vous pouvez, n'est-ce pas, rentrer en contact direct avec nous et on pourra vous soutenir. Et laissez-moi vous rassurer que tous ceux qui font des transferts par la voie des agences, tout ça, ça rentre avec preuve à l'appui jusqu'au niveau de la caisse du Patrick Kalala Ministry pour les bonnes œuvres. Et quand les actions vont commencer, vous aurez les images avec vous. Allez, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Mais ce que je vous prie, c'est de ne plus abandonner la vie de prière, mais de ne plus vous relâcher et de prendre part à la prise des décisions. Ne laissez plus quelqu'un d'autre décider à votre place. Quand vous les laissez faire, vous allez subir ce qu'eux auront à décider sur vous. Mais désormais, ensemble avec vous, dans tant de prières agressives sur Facebook, notre page Patrick Kalala, on est là du lundi jusqu'au vendredi pour prier ensemble avec vous. Et le prochain rendez-vous sur cette page Facebook Patrick Kalala Ministry, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, vendredi, à partir de 15h et 14h30, heure des États-Unis, c'est qui fera 21h30, heure d'Europe et d'Afrique. 21h30, 14h30, vous voyez ça, heure de Chicago. 21h30, vous qui êtes en Europe et en Afrique, on serait tous sur la même page, Patrick Kalala, pour un nouveau numéro. Soit ça peut être intercession avec l'homme de la continuité, ou bien émission Les Actes du pasteur Kalala. C'est des émissions très importantes qui nous édifient, qui nous affectent et qui nous bénissent. Ne manquez pas ce rendez-vous aujourd'hui, vendredi, à partir de 14h30, vous qui êtes à Chicago, les États-Unis, heure de Chicago. Vous pouvez être en Pennsylvanie, vous pouvez être à Michigan, vous pouvez être à New York, à Washington, Seattle, vous pouvez être partout. Mes frères et sœurs, regardez l'heure de Chicago, 14h30. Faites maintenant l'équivalence avec votre heure. Vous êtes au Canada, c'est la même heure, heure de Chicago, 14h30. Et vous qui êtes en Afrique, en Europe, c'est à 21h30. Soyez branchés, scotchés sur la page Facebook Patrick Kalala Ministry pour prendre part à cette réunion importante d'enseignement, mais aussi des prières. Que le bon Dieu vous bénisse. Mais entre-temps, mes frères et sœurs, sur YouTube, pour vous qui êtes aux États-Unis, à partir de 20h30, et plutôt 21h juste, tous les jours sur 21h juste, sauf imprévu, sur YouTube, il y a des émissions qui passent là-bas, des prières, des enseignements, d'édification, également des petites vidéos de l'évangile au quotidien. Ça nous édifie beaucoup. Allez-y sur notre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous nous suivez toujours sur Facebook, abonnez-vous sur YouTube. Vous allez bénéficier également de ces enseignements-là. Allez-y, cliquez sur YouTube Patrick Kalala. Vous allez voir l'homme de Dieu habillé en veste noir. C'est ça notre photo de profil. Cliquez sur le mot s'abonner en rouge et puis sur la cloche de notification.
C'est alors que vous serez en mesure de vous connecter à nous. Que mon Dieu vous bénisse et que vous bénisse abondamment de son nom. Arrivé à la fin de notre mission, les coordonnées téléphoniques sont là. Appelez par ce numéro. Vous qui faites les transferts sur PayPal, Cash App, n'hésitez pas de m'appeler au même numéro là. C'est l'unique numéro par lequel vous pouvez joindre le pasteur Kala. Appelez-moi directement sur Facebook et sur WhatsApp. Soit vous m'appelez sur téléphone direct. On sera en contact avec vous. Je n'ai pas d'autre numéro que j'utilise pour entrer en contact avec vous. Donc, si quelqu'un vous appelle par un autre numéro, ce n'est pas moi. Et si vous voulez faire un transfert, vous envoyez quelqu'un d'autre par un autre numéro, ce n'est pas moi. Tel est mon numéro. Je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faut être clair et précis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rançonner de l'argent derrière les dos des autres alors que nos frères, nous ne sommes pas des mendiants, mais nous ne recevons que des dons et des gestes de libéralité à notre égard, mais également à l'égard des orphelins et des démunis. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Priez pour nous, soutenez-nous dans la prière, comme je le fais également pour vous. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Et à bientôt.